Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler sur les sons. Je vais vous donner des mots et vous allez devoir deviner sur quels sons nous allons travailler aujourd'hui. Nez, rocher, fusée, policier, poupée. Alors, vous avez trouvé? C'est le son et que vous connaissez déjà. Nous avons déjà appris à l'écrire. Il s'écrit E accent aigu. Aujourd'hui, nous allons réviser le son et nous allons découvrir d'autres façons de l'écrire. Nous allons nous entraîner à repérer le son E dans les mots. Vous allez donc prendre votre ardoise et dessiner d'un côté une oreille j'entends et de l'autre côté une oreille je n'entends pas. Lorsque je vous donnerai les mots, vous montrerez le bon côté de l'ardoise. N'oubliez pas, nous travaillons sur le son et c'est parti. Épée. Épée. J'entends et dans P. Fenêtre. Fenêtre. Je n'entends pas. Clé. Clé. J'entends et dans clé. Marcher. Marcher. J'entends et dans chez. Escargot. Escargot. Je n'entends pas. Maison. Maison. Je n'entends pas. Nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire de petites devinettes. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir trouver des réponses dans lesquelles on entend « et ». Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Je suis un énorme animal avec une trompe. Qui suis-je? Je suis un éléphant. Deuxième devinette. Je suis la personne qui éteint les incendies, les feux. Qui suis-je? Je suis un pompier. Troisième devinette. Je suis un objet qui sert à filmer. Qui suis-je? Je suis une caméra. Bien joué! Nous pouvons passer à la suite. Tu vas avoir besoin de ton ardoise car je vais te demander maintenant de dessiner les arcs de syllabes et de mettre la croix où on entend « et ». On commence avec le premier mot. Karaté. Karaté. Dans « karaté », il y a trois syllabes. J'entends « et » dans la dernière. Éléphant. Éléphant. Dans « éléphant », il y a trois syllabes. J'entends « et » dans « et ». Dans « les ». Et « les ». Dernier mot, panier. Panier. Dans panier, il y a deux syllabes. J'entends et dans la dernière, dans nier. Maintenant que nous avons
bien entraîner notre oreille à entendre le son E, nous allons découvrir d'autres façons de l'écrire. Nous connaissons déjà E, E accent aigu. Observons les mots suivants. Né. Voici comment il s'écrit. Né. Cherche quelles sont les lettres qui font E. Dans né, c'est le E et le Z qui font E. Rocher. Rocher. J'entends E dans la syllabe ché. À ton avis, quelles sont les lettres qui font E? Dans rocher, c'est ER qui fait E. Policier. Policier. J'entends E dans sier. Quelles sont les lettres qui font E? C'est aussi ER. J'entends E et je vois E accent aigu, mais je vois aussi EZ et ER. Maintenant que tu es bien entraîné, tu vas pouvoir travailler dans ton fichier. Ouvre-le à la page 66. Puis, tout en haut, n'oublie pas d'écrire la petite date. Regarde, c'est où apparaît la petite flèche rouge. Maintenant, nous allons ensemble découvrir la page de ton fichier et lire les consignes et expliquer ce qu'il faut faire. Tu pourras mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de faire chaque exercice. Si tu n'es pas sûr, tu peux demander de l'aide à un adulte. Tu es prêt? On y va. Tout en haut de ta page, il y a un encadré bleu. J'entends E et je vois E accent aigu, je vois ER et je vois EZ. Juste à côté, tu as des mots référents. Un réveil, un rocher, un nez. Ces référents t'aideront pour les exercices suivants. Exercice numéro 1. Entoure l'image quand tu entends E. Éléphant, épée, lapin, vélo, épouvantail, cheminée, poire. Exercice numéro 2. Barre les deux intrus. Dans tous les mots, on entend E, sauf pour deux. Retrouve-les. Poupée, fraise, pédale, policier, manège, fusée, téléphone. Exercice numéro 3. Dessine les arcs qui correspondent aux syllabes. Mets une croix quand tu entends E. Fais attention aux intrus. Parmi tous ces mots, il y en aura dans lesquels on n'entendra pas le son E, donc il ne faudra pas tomber dans le piège. Cinéma, éléphant, épée, caméra, panier, karaté, tambourin, boulanger, balai, télévision. Je te donne un petit indice, il y a deux intrus dans cet exercice. Exercice numéro 4. Entoure les syllabes dans lesquelles on entend E, puis colorie les lettres qui font ce son. Je vais juste
te demander d'entourer les lettres qui font « et » dans chacun des mots. Pour cela, tu pourras t'aider de ton référent tout en haut avec le petit œil et les différentes lettres qui font « et » « e » accent aigu, « er » ou « ez ». Un rocher, une caméra, un écureuil, un boulanger, un nez, un cinéma, vous sautez, une médaille, un pompier, chantez. Je te félicite pour ton attention et ta concentration. Nous avons terminé notre séance sur le son « et ». Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne journée !